vais jamais t'entendre comme ça. Donc la caméra d'or a été, c'est le prix qui récompense un premier film, il a été donné au film Divine, réalisé par Ouda Benyamina. Ouda Benyamina, à la tête d'une équipe de filles, qui est tout émue de recevoir son prix. Oui, Ouda Benyamina, qui dit aussi, voilà, Cannes est aussi à nous. Il faut dire qu'elle, elle vient d'une banlieue, que son film se passe dans une cité, un film très féministe où elle montre deux jeunes filles qui sont un peu en rupture scolaire, familiale, et qui rêvent de suivre les traces d'une dealeuse. Donc voilà, c'est un film avec des personnages féminins très forts qui montrent la banlieue comme on ne l'a jamais vue. Et Ouda Benyamina vient de faire un discours très, à la fois très engagé, très féministe. Comme son film, elle a crié des femmes, des femmes, des femmes. Nous voulons des femmes décisionnaires. Et son discours est vraiment à l'image de son film qui a complètement galvanisé La Croisette, qui montre des personnages de filles très très fortes. Avec une belle énergie. Hein. C'est vraiment le choc, c'est le buzz. C'est assez logique qu'elle ait cette caméra d'or finalement. Oui, et puis pour un premier film, elle a beaucoup de maîtrise. Elle mêle le genre du conte de fées, du film de banlieue. C'est un film aussi très politique. Hein. Elle revient sur les émeutes de 2005. Elle est magnifique.